Nous sommes ici dans une bibliothèque, la bibliothèque de l'Institut français d'études byzantines qui se trouve à l'Institut catholique de Paris. Ici, nous avons la première édition de la Philokalie qui est parue à Venise en 1782. La Philokalie est elle-même une bibliothèque spirituelle et ascétique. Elle est le produit d'un groupe d'hommes qui, pendant une décennie, dans les années 1770-1780, a travaillé collectivement sur cette entreprise qui, à son époque, a eu une portée de rénovation et une portée même subversive par rapport à la situation de ce temps. Alors, pour comprendre quand même toute cette entreprise et quel était le but de cette entreprise, il faut nous replonger dans l'époque. Nous sommes dans les années 1770-1780. En Occident, nous sommes à la veille de la Révolution française. Il y a des idées, souvent athées. La libre pensée commence à s'installer et ces ecclésiastiques craignent qu'elle ne diffuse dans les Balkans. Mais il y a surtout, à Constantinople, un establishment ecclésiastique qui s'est installé depuis de nombreuses années dans une orthopraxie que ces hommes vont considérer stérile. Ils veulent donc, et c'est pour cela que j'ai dit que c'était une entreprise subversive, ils veulent faire revenir sur le devant de la scène ces écrits spirituels qui fondent le christianisme et les pratiques du christianisme des premiers temps. Alors, qui sont les acteurs? Qui sont les acteurs de ce groupe qui produit la Philokalie? Tout d'abord, il y a des moines venus de Cappadoce et qui s'installent dans les îles de la mer Égée. Ils s'appellent Sylvestre, Niphon, Grégoire. Ils n'ont pas laissé d'écrits, mais ils ont rencontré des jeunes moines qui se trouvaient sur ces îles-là et leur ont enseigné la prière du cœur. Ils les ont poussés aussi à s'intéresser à des écrits ascétiques et spirituels anciens de l'époque patristique que ces jeunes moines vont essayer de retrouver. Alors, le plus important des hommes qui va porter le projet de la Philokalie est Macaire de Corinthe. Macaire se rend au Mont Athos dans les années 1770 et là il va retrouver des écrits ascétiques qu'il va rassembler. Mais Macaire est un homme très actif, qui circule beaucoup. Il ne peut pas s'atteler à une entreprise éditoriale de cette envergure. Alors il va trouver un autre moine, jeune à l'époque, Nicodème. Nicodème l'Agiorite, c'est-à-dire Nicodème du Mont Athos. Nicodème a plusieurs talents. Il connaît parfaitement le grec et peut travailler à cette édition. Et il va donc s'atteler à une préface importante, à des notes. Alors il y a aussi un troisième personnage sans lequel le livre n'aurait jamais vu le jour. C'est un laïc qui se trouve à Smyrne et aussi installé en parallèle sur l'île de Chios, qui est en face de Smyrne. Alors Jean Mavrogordato, parce que c'est son nom, est un homme riche et dévot. Chez lui, dans sa maison, il réunit des chrétiens orthodoxes pour des prières communes et il fait venir aussi Macaire de Corinthe, qui devient leur père spirituel. Jean Mavrogordato va payer pour publier ce livre important et c'est grâce à lui donc que la diffusion se fera. Alors, ce mouvement est accompagné d'un autre mouvement qui se produit dans les pays roumains et slaves. Un personnage très important pour cette tradition, Paisios Velichkovski, fréquente lui aussi le Mont Athos
et se livre également à cette entreprise de collecte de textes spirituels qu'il s'agit de diffuser dans ce monde-là. Alors Païsios entre en contact avec ces personnages, avec Nicodème en particulier, et donc se crée un mouvement parallèle autour de cette tradition dans les pays roumains. Donc le mouvement philokalique en Grèce, dans les pays hellénophones, ne connaît pas la croissance qui aurait pu être la sienne, du moins dans ces années-là. En revanche, il va se diffuser beaucoup dans les pays roumains et slaves et touchera un grand nombre de fidèles. Alors, la diffusion de la pensée philokalique dans le monde slave et dans les pays roumains s'accomplit en trois étapes. On va s'arrêter d'abord sur l'étape Païsios Velichikovski, un jeune moine d'origine ukrainienne qui décide de quitter son pays pour aller s'installer à Latos. Nous sommes dans les années 40 du 18e siècle. Il y restera à peu près 20 ans. Sur le mot Athos, il va probablement avoir connaissance de cette entreprise que Macaire de Corinthe et Nicodème l'Agiorite ont envie de mettre en pratique. Ce qui est certain, c'est que de retour dans les pays roumains, il commence une activité absolument extraordinaire de traducteur en slavon et en roumain. Alors, un an avant sa mort, en 1793, à Saint-Pétersbourg, il y a la première édition de ce qu'on appelle communément aujourd'hui la Dobrotolublie. Donc, c'est la philokalie des Païsios Velichikovski. Ce qu'il faut mentionner, c'est que par rapport à Nicodème l'Agiorite et Macaire de Corinthe, il va se démarquer dans les sens où son livre s'adresse avant toute chose aux moines. Il y a une deuxième chose à marquer, c'est que le livre publié par Païsios Velichikovski n'est pas le livre publié par Macaire de Corinthe et Nicodème l'Agiorite. Déjà d'une part parce que Païsios va retenir uniquement 15 auteurs sur les 37 proposés dans la version grecque, et d'autre part, c'est parce que les manuscrits qu'il a utilisés ne sont pas les mêmes que ceux utilisés par les auteurs grecs. Alors, une deuxième étape dans la diffusion de cette pensée philokalique dans le monde slave et le monde roumain, les pays roumains, c'est la Dobrotolublie de Théophane le Reclus. Alors, Théophane le Reclus, un moine éminemment scientifique qui s'est dédié à la fin de sa vie à la vie érémitique, décide de publier lui-même un recueil, un partant de celui publié par Macaire de Corinthe et Nicodème l'Agiorite. Alors, la grande différence, c'est que Théophane le Reclus décide d'accentuer dans ce qu'il présente comme un recueil philokalique, les côtés ascétiques de la spiritualité orthodoxe. Il décide, par conséquent, d'éliminer de son florilège les textes à caractère théorique. La philokalie de Païsios et celle de Théophane le Reclus vont jouer un rôle extrêmement important dans les pays slaves, mais les deux sont avant tout adressés aux moines. Alors, nous sommes loin de l'idée qui a animé Macaire de Corinthe et Nicodème, c'est-à-dire faire connaître les textes et aider aussi les laïcs. Les moines, de toute manière, ils ont un père spirituel. Ils ont à qui s'adresser et à qui demander. Alors que les laïcs ne trouvent pas toujours cette voie, on va dire, facile pour s'acheminer dans l'avancement de la vie spirituelle. Alors en Grèce, c'est assez étonnant parce que ce mouvement redevient un pôle d'attraction dans les années 1950. Nous sommes dans un moment où l'hésychasme a été remis au goût du jour par des savants tels que John Mayendorf avec ses publications sur Grégoire Palamas. Et puis, il y a tout un mouvement de rénovation spirituelle aussi qui est en marche. En France, et ici même, puisque Jean Gouillard était un membre de l'Institut français d'études byzantines, ici même donc paraît la petite philokalie de la prière du cœur, qui est un tout petit abrégé de cette grande bibliothèque et qui va connaître un succès phénoménal. Cette petite publication abrégée va donner lieu par la suite à un grand mouvement de traduction en Occident, et donc nous avons
La traduction anglaise de la philokalie complète. Nous avons, par la suite, un peu plus tard, la traduction française, très connue justement ici, et qui a influencé beaucoup les discussions sur la spiritualité orthodoxe, qui a attiré, je pense aussi, beaucoup de monde vers l'orthodoxie. Et nous avons d'innombrables traductions en arabe. Et puis, tout dernièrement aussi, dans les années 2000, une traduction complète en japonais qui a été réalisé par une équipe donc de savants japonais qui connaissent parfaitement le grec aussi et qui sont très intéressés par ces phénomènes spirituels qui ont eu cours à l'orthodoxie, peut-être aussi parce qu'ils correspondent à une quête de l'harmonie et de la beauté. Philokalie, c'est l'amour de la beauté, qui est aussi la quête de la civilisation japonaise. Mais alors, là où vraiment ce mouvement a donné les fruits sans doute les meilleurs, les plus largement répandus, c'est encore une fois en Roumanie. Alors, troisième étape dans la diffusion de cette pensée philokalique, et non pas la moindre, cette étape, c'est la traduction roumaine accomplie par le père Dumitru Stăniloae, qui fait un premier contact avec cette pensée philokalique lors de son voyage d'études à Athènes en 1929, par les écrits de Grégoire Palamas. À la même occasion, il va découvrir la collection proposée par Nicodème et Macaire de Corinthe dans la deuxième édition publiée à Athènes. Il est ébloui par cette pensée dont la théologie de l'époque, donc nous sommes dans les années 40, n'en fait plus aucune mention. De retour en Roumanie, il va s'attacher donc à faire une traduction qui se présente sur 12 volumes, à peu près 6000 pages, dont la moitié sont les notes de bas de page, les notes explicatives qui accompagnent le texte. Alors, on va se demander pourquoi cette philokalie a une si grande importance. Alors, première chose, Stăniloae décide lui-même de remanier un tout petit peu, de rajouter des textes, d'éliminer probablement certains d'autres, mais par rapport aux deux, il décide de revenir sur ce que Macaire de Corinthe et Nicodème Lagiorite se sont proposés dans leur préface, de faire connaître au grand public des textes d'importance majeure pour la spiritualité orthodoxe. Alors, c'est pour cela qu'il accompagne le texte avec énormément de notes de bas de page. Il y a certains spécialistes qui disent que par ces notes de bas de page, cette philokalie prend même un caractère dogmatique. Mais dans la préface, il dit une chose qui vise, en fait, ses destinataires. Il dit « Notre traduction s'adresse premièrement à nos moines. » Mais, continue-t-il, « Dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas une nette distinction entre la vie d'un moine et la vie d'un laïc. » Stăniloae va aller jusqu'à dire « Les pères, dans ce recueil nommé la Philokalie, disent que l'âme doit être conduite de manière scientifique vers la perfection et que la plus haute des sciences, c'est celle de diriger les âmes. Alors, puisqu'on a dans nos mains un texte qui propose ce cheminement scientifique, pourquoi s'en priver? Donc, il s'adresse autant aux moines qu'aux fidèles, aux laïcs. Personnellement, bon, je me suis intéressé à la philokalie quand je suis allé au Moatos, après être allé au Moatos, où je suis resté assez longtemps, et j'étais très intéressé de voir ces moines, de voir leur vie, et je voulais faire quelque chose, essayer de la comprendre. Et comme je m'intéressais aux traductions, et que je connaissais déjà, j'avais des bases de grec moderne, je leur ai proposé de traduire un ouvrage qui était publié par eux. C'était l'enseignement du père Joseph Lézikas par le père Joseph de Vatopédie. Rentré en France, je me suis rendu compte que dans cet ouvrage, il y avait beaucoup de termes qui sont en fait des termes techniques. Voilà. Et qu'il y a, comme dans beaucoup de disciplines, qu'il y a des termes clés, des termes techniques, et que si on ne comprend pas vraiment
le sens de ces termes techniques dans la vie spirituelle, on ne comprend pas vraiment ce que la personne dit. Et donc, j'ai pensé qu'il était nécessaire de revenir à ce moment-là aux origines même de tous ces mouvements et de travailler sur les textes de la philokalie et en particulier sur Évagre le Pontique, qui est un peu à l'origine de la terminologie, si l'on peut dire, qui est employée dans la philokalie. Ce travail donc, est un travail qui a été fait en commun, pas dans le cadre d'un atelier philokalie qui s'est déroulé dans la paroisse Saint-Séraphin de Sarov. Nous avons participé, ça a duré plusieurs années, enfin c'était des années, parce que nous sommes partis des textes de la philokalie anciens, puis nous sommes assez rapidement arrivés sur les textes contemporains. Bref, le produit de ce travail, un des produits collectifs de ce travail, c'est ce tableau que nous avons fait et qui met en correspondance les puissances de l'âme et les étapes de la vie spirituelle en suivant le vocabulaire tel qu'il est utilisé par Évagre le Pontique. Ça me semble important parce que c'est où nous trouvons donc ces termes depuis le début de la philokalie jusqu'à la fin. Et même de nos jours. Donc, je veux dire, ce sont des termes qui sont encore employés de nos jours assez couramment dans la vie spirituelle par les moines. Quels sont les présupposés de cette vie spirituelle? Le présupposé fondamental, c'est, pourrait-on dire, les ikkyā, qui veut dire tranquillité, qu'on peut traduire par quiétude, qui est un terme technique là aussi. Ça signifie aussi la rupture avec le monde, le retrait du monde. Et ça signifie aussi la lutte contre les passions, c'est-à-dire la quiétude intérieure. Et dans cette pratique, ce qui est fondamental, c'est la garde des pensées, s'occuper des pensées, empêcher les pensées néfastes ou dangereuses de s'introduire. Et pour ce faire, la prière de Jésus est un outil remarquable. C'est-à-dire que la prière de Jésus, qui est répétée par les moines, permet à la fois d'occuper l'intellect, parce qu'on ne peut pas penser à rien non plus, il faut occuper l'intellect, en même temps d'éloigner et de repousser les pensées. Donc il y a une pratique qui est de ces moines qui leur permet de progresser dans la vie spirituelle, tout en menant une vie commune, puisqu'ils sont dans un monastère. Et c'est justement un des succès, je crois, du mont Athos actuellement, c'est d'avoir introduit les ikasmes dans les monastères communautaires, dans les monastères cénobitiques. C'est le grand succès et la base du dynamisme que l'on trouve actuellement dans le mont Athos. C'est-à-dire que toute cette pratique, en fait, n'est jamais le fait d'un individu, en tout cas tel qu'elle est pratiquée actuellement, n'est jamais le fait d'un individu isolé, au moins dans les premiers temps. Il a besoin de quelqu'un qui ait de l'expérience, qui peut le guider, qui peut le faire progresser, qui peut le faire avancer dans cette voie, et c'est le rôle du père spirituel. Donc on ne peut pas pratiquer toute cette spiritualité, ni en dehors de l'Église, ni sans père spirituel, au moins au début. Un des résultats, peut-on dire, du travail que nous avons fait dans cet atelier philokalie, ça a été formulation de ce tableau, mais ça a été aussi ce que maintenant je présente dans ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, ce travail collectif se trouve dans ce livre. Et dans ce livre, on trouve aussi des introductions pour les différents auteurs du père Dumitru Staniloe, qui est l'auteur d'une splendide philokalie roumaine. Et on voit aussi, tout le monde est d'accord, que le père Dumitru, on pourrait citer aussi Olivier Clément, ou on pourrait citer même Nicodème Lajurite, que les textes de la philokalie sont utiles pour les laïcs, c'est-à-dire
chacun peut lire ces textes et en tirer quelque chose pour lui, pour sa vie quotidienne. Après, la façon de moduler en quelque sorte l'impact de cette philokalie sur la vie de chacun, ça, c'est quelque chose qui relève de la personnalité de chacun et aussi de son lien avec son père spirituel. Quand on parle de père Domitrius Tanelloé en liaison justement avec la philokalie, pour moi c'est une grande émotion parce que c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore toujours beaucoup. Pour moi, père Domitrius, ça a été aussi quelqu'un qui m'a fait comprendre le rapport entre théologie et prière. C'était ça, parce que c'est un homme qui avait l'expérience en fait de la prière du cœur. C'est un homme philokalique vraiment, c'est-à-dire dans un mode de connaissance, un mode de fonctionnement intellectuel qui n'est pas académique, mais qui épouse le cœur. Enfin, il y a une conjugaison de l'esprit et du cœur qui définit au fond l'esprit philokalique. Parce que vous en pensez. Alors moi, je crois que pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent bien de quoi il s'agit, il faut revenir sur la notion de philokalie, amour de la beauté, et la relation que cela peut avoir avec la cèse et la prière. La philokalie est le terme qui désigne un ensemble d'écrits qui permettent de guider sur les voies de la vie monastique et de la vie de prière. Pour comprendre le lien entre la prière et la beauté, il faut revenir sur la beauté. Je crois que la beauté est l'essence absolue de toute chose. Rien n'est plus beau que de dire à quelqu'un « Tu existes parce qu'il est beau que tu existes. » Rien n'est plus beau de comprendre que tout ce qui existe autour de nous existe parce que c'est beau que ça existe. C'est ce qu'on peut appeler la gloire de Dieu. Et donc, la beauté nous amène dans l'essence divine de toute chose. Et pour aller dans l'essence divine de toute chose, il faut se purifier. Et on se purifie par la prière qui est attention absolue. Ce qui fait que plus je suis attentif, plus je rentre dans la vie divine et la beauté divine, et plus je rentre dans la beauté divine, plus je suis attentif. Ce qui donne l'extraordinaire expérience de la prière et de la beauté que l'on trouve chez les moines, dans la grande tradition mystique, et puis dans toute l'Église orthodoxe, où on voit cette extrême concentration qui donne un état de haute existence, avec en même temps une illumination de l'intellect à propos des lumières divines qui viennent à un moment inspirer notre regard. Puisque si on regarde les choses avec les yeux de la beauté, elles existent vraiment. Je crois que justement dans l'expérience de la prière hésicale, c'est-à-dire la prière qui fait cette expérience de tranquillité, de repos en Dieu, il y a une découverte de la beauté du Christ. C'est-à-dire que le Christ, celui qui est prié dans son nom, il a un charme, il a une beauté, il a une lumière qui fait qu'on prie sans effort. Ceux qui prient vraiment prient sans effort parce qu'ils sont comme les papillons par la lumière, attirés par cette beauté du Christ qui est accessible dans son nom, dans le fait qu'on lui parle, qu'on est en dialogue avec lui, mais on est en dialogue avec une personne qui est rayonnante. Ça, c'est bien que vous disiez ça, parce que ça veut dire que le livre dont on parle, cette philokalie, qu'on voit les gros bouquins, etc., c'est pas seulement un gros livre, mais c'est aussi la réponse pour notre époque troublée et douloureuse, la possibilité que nous avons d'apporter au monde une expérience de paix, de tranquillité et de foi. Si tu veux transformer le monde... C'est vraiment notre façon à nous de répondre à l'actualité. Si tu veux transformer le monde, apporte au monde non pas ton agitation, mais ta paix. Oui, voilà. Et ensuite, tu pourras réconcilier les hommes et soigner. Mais pour ça, il faut absolument que tu rentres dans la paix, que tu retrouves le sens de la beauté et le sens aussi de cette extraordinaire harmonie qui existe
derrière les opposés. On parle d'école de la prière, on parle d'apprendre quand même cette voie. Et dans l'expérience que moi j'ai comme prêtre de paroisse, hein, c'est une réalité. C'est une réalité. Depuis des années, je desserre une paroisse dans laquelle on a pris l'habitude de se réunir pour apprendre à dire la prière. Et on le faisait dans l'influence du monastère d'Angleterre, du monastère de Maldon. Mais donc, ce qu'on dit là, c'est-à-dire cette façon de se pacifier pour le monde, de faire face à la vie, si je peux dire, avec la paix intérieure que donne la prière, c'est une expérience qui se fait en paroisse, pas seulement dans la paroisse où je suis, mais dans d'autres paroisses. Le monastère de Père Sophronie a répandu chez des centaines de personnes non moines, des familles, des gens travaillant au bureau, des gens circulant en voiture, etc., des paroissiens. Chez des centaines de gens, cette expérience de la prière a été répandue. Et des centaines de gens qui retrouvent le sommeil. Ça m'est personnel de dire ça, mais je veux dire que quand j'étais plus jeune, enfin encore plus jeune que maintenant, j'étais un enfant, un adolescent angoissé, un jeune homme angoissé comme bien d'autres. Et la découverte de l'orthodoxie et l'entrée dans l'expérience orthodoxe et l'entrée de l'expérience de la prière m'a fait effectivement trouver le sommeil. Je dors comme un bébé depuis que je prie. Exactement. Et... on a l'occasion de... De commenter un peu cette prière qui est quand même extraordinaire. On dit « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur » ou « Fais-moi miséricorde » parce que la pitié n'est pas un sentiment. « Fais miséricorde au pécheur que je suis. » Cette prière-là, elle est extraordinaire parce qu'en fait, c'est une synthèse, si vous êtes d'accord avec moi, c'est une espèce de synthèse de la foi chrétienne puisque la première partie est une glorification du Christ, Fils de Dieu, et qui dit Christ dit onction du Saint-Esprit, qui dit Jésus dit Fils de Dieu, qui dit Dieu dit Père. En fait, on a une expression de la foi trinitaire dans la première partie et dans la deuxième partie, où on demande à Dieu sa miséricorde. Mais la miséricorde, ce n'est pas un sentiment. On ne demande pas à Dieu de faire preuve de bons sentiments à notre égard. On lui demande qu'il nous donne la grâce. Parce que la miséricorde, Eleos en grec, hein, si je ne me trompe pas, Eleos, c'est l'huile. Et c'est l'huile de la grâce, de la miséricorde divine. Donc il y a vraiment dans cette prière-là, en première partie, une confession de la foi trinitaire dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans la deuxième partie, l'homme demande à Dieu ce qui est le plus important du monde, c'est-à-dire la grâce. Sa grâce qui est une huile, qui est une... Alors vous savez que l'huile, c'est très utile parce que ça aide les rouages à fonctionner, mais ça vivifie, ça pénètre... Hein. Ça réchauffe, ça console, ça soigne, l'huile soigne beaucoup. Et après ça, effectivement, on ajoute à la fin de la prière, aie pitié de moi, pécheur, parce qu'en fait, pécheur, ça veut dire je n'ai rien. Je suis, comme dit un écrivain, je suis, désemparé devant Dieu, je me désapproprie complètement devant cette miséricorde, autrement je ne pourrais pas la recevoir. Donc cette prière est vraiment magnifique, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, on dit en grec aussi, Kyrie Jésus Christe, Yetu Theou, Eleison me, Tonamartolon. Donc, dans toutes ces langues résonne en fait ce qui est le cœur de la foi chrétienne et l'essentiel de notre demande. Parce qu'on pourrait demander à Dieu qu'il change ceci, qu'il change cela. Mais la première demande qu'on a à lui faire, c'est qu'il nous donne la grâce de sa miséricorde et la grâce de son illumination. Bénis notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Amen.